C'est toi, maman? Zoé, viens voir. Viens voir son don. Regarde tous les trésors que ma petite fille m'a donné. Maman! Oh, Dieu! Non! Non! Embrasse-moi, chérie! Vite, qu'est-ce qu'il prend? Cours au garage! Trouve une corde! Dépêche-toi! Oh, punaise. Bon, ben, vite à chercher une corde. Bon, on va trouver une corde, une corde au garage. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, une corde. J'arrive, papa. Est-ce qu'il n'y a rien d'autre à prendre ici tant qu'on y est? Ah, jolie la caisse. Pas besoin de la corde immédiatement. Ah, mais c'est mutilé. Bon, ben, je vais lui porter. Hein. Ça me semble quand même assez dangereux, d'aussi. Par contre, j'entends plus les parents se disputer. Ah, si. Oh là. Ah, il est contaminé aussi, mon Dieu. Non, c'est pas aussi grave que ça en a l'air. Faut se purifier pour se rapprocher de Dieu. Et ta mère est à deux doigts de la rencontrer là. Elle veut que je fasse ça. Je dois lui montrer que je suis dévoué. Elle veut qu'on lui montre tout notre amour. Tu veux pas la décevoir, pas vrai? On peut pas faire ça. De qui est-ce que tu parles? Ta nouvelle sœur est vive. Quand je demande une corde, je veux qu'on m'apporte une corde. Je vais devoir te donner mon sang. Papa! Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Tant que t'es sous mon toit, tu feras ce que je te dis. N'approche pas! Oh oh, fermé. Oh oh, fermé. Oh oh, je suis dans le coca. Ok. Oh là là, oh là là. Non! Papa! Arrête! Je t'en supplie! Non, 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 non. Oh punaise. Le coup de poing qu'il vient de mettre là. Qu'est-ce qui va pas, ma chérie? Tu veux pas jouer avec ta nouvelle sœurette? Quelque chose pour toi. Ah, j'ai perdu. Bon, bah, on va commencer. Quand je demande une corde, je veux qu'on m'apporte une corde. Papa! Qu'est-ce qui t'arrive? Tant que t'es sous mon toit, tu feras ce que je te dis. Ah, bah voilà. La corde. Faut que je me tire d'ici. Zoé, ouvre cette porte. Non, pas question, je n'ouvrirai pas. Petit cochon, laisse-moi entrer. Arrête ça! J'ouvre pas, hein, malade. Ils sont malades ici. Pourquoi? Et mais y a rien dans ces tiroirs. Là. Fourchette. Je l'ai soufflé. Et tu l'as morflé. Oh non. Zoé. Et je vais faire quoi avec la fourchette? Zoé. Maintenant, t'arrêtes de nous faire courir, ta mère et moi. Oh là, ils ont bougé. Oh, mais non, mais c'est une blague. On va se cacher. Entre toi, Zoé.
assez maligne pour m'échapper. Même s'il te plaît. Ouais, non, c'est bon. La mère se fait un instant d'entre. À mon avis, il n'y a rien à faire ici. Qu'est-ce que je dois faire avec cette fourchette là? Il est là. Qu'est-ce que t'as en tête, Zoé? Tu n'iras nulle part! Oh punaise! Je t'ai trouvé! C'est plus la peine de t'en faire. Oh non. Oh non. Papa, arrête. Je t'en supplie. Et on peut rien faire. Et hop voilà. Tu t'en attends. Papa, arrête. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui va pas, ma chérie? Tu veux pas jouer avec ta nouvelle sœurette? Je t'en ai pas trop envie, non. Quand je demande une corde, je veux qu'on m'apporte une corde. Papa! Qu'est-ce qui t'arrive? Tombe sous mon toit, tu feras tout ce que tu... T'entends? Alors... Faut que je me tire d'ici. La fourchette, faut que je retrouve la fourchette. Zoé, ouvre cette porte. Non, je n'ouvrirai pas. N'approche pas. C'est par ici, je crois. Ah voilà, la fourchette. Petit cochon, laisse-moi entrer. Mais je vais faire quoi avec la fourchette? Arrête ça! Ici, c'est fermé. Pourquoi? T'es sérieux? Je vais souffler, et tu vas morfler. Papa. Bon, au moins, je trouve comment sortir d'ici. Tu m'étonnes que c'est une famille de dingo. Ce qu'il lui fait à l'autre, mais... Je me tire d'ici. Ah ouais. Je me tire d'ici, moi, je reste pas. Qu'est-ce qu'il m'a fait, le boulot? Allez, viens la rencontrer, Zoé. Okay. Tu vas avoir une petite sœur, Zoé. Et psychopathe, elle. J'ai pas envie d'avoir une petite sœur. Ça est rush. Zoé! Oh, sa mère. Ah, viens ici tout de suite! Non! Oh punaise, elle est derrière. Je vais t'attraper! Non, tu peux pas. Calme-toi! Ce serait bête qu'il t'arrive un accident, non? Oh putain! Jack! Non! Donne-moi un coup de main, Jack! Non! Viens ici, Jack! Jack! Oh non! Pourquoi tu fais ça?
pas, ma chérie? Tu veux pas jouer avec ta nouvelle sœurette? Pour toi. Pou, 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 pou. Bah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, boulette. Hein. Allez, je me refais un petit dernier essai avant la fin de cette petite séance. Mais les prochaines fois, je ferai un peu plus long quand même. Hein. Parce que une heure, ça passe quand même assez vite. Oh, ouais. Voilà, continue à monter, c'est bien. Tu vas avoir une petite. Non, on monte, Zoé. Continue à monter. Ne fais pas demi-tour. Hein? Oh, 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 oh. Relax, relax, psychopathe, psychopathe, relax. Viens la rencontrer, Zoé. Mais monte, continue à monter, fais pas demi-tour. Comme je dis toujours, la famille avant tout. Ah, mais là, je veux bien m'en passer de cette famille. Je vais voir ce qu'il y a d'autre par là. Allez, bouge. J'aime pas les fauchetons. Trollez, mais... Zoé, tu vas me rendre dingue. Tu n'es pas déjà dingue. Allez, mais monte au moins des escaliers d'un côté ou d'un autre. Laisse-moi passer, quoi. Ah, oh, Evelyne, elle est tellement adorable. Ce n'est qu'une orpheline, Zoé. On doit veiller sur elle. Allez, bouge. Es-tu là? Non, je suis pas là. Zoé! Oh, t'as retourné. Zoé! On m'a fait flipper. Verrouille. Zoé. Non, non. Non. Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Oh, non. N'approche pas. Ah, laisse-la tranquille. Ah, ne fais pas de mal à ma famille. Ah. Je comprends rien, maman. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, prends-la. Prends-la. Ah. Ça va aller, maman. Je vais chercher de l'aide. Pourquoi? Zoé, prends cette clé. Donne-la-moi. Non, non, tu rêves. Je l'ai trouvé. Oh. C'est plus la peine de t'enfuir. Oh, punaise.